C'est donc Génération Rouge et Bleu. Je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour l'ouverture de cette box Thor Tank que j'ai trouvée finalement. Parce que bon, quand j'avais tourné ma précédente vidéo avec la box Floriza, je ne l'avais pas encore trouvée. Mais entre-temps, j'ai réussi à mettre la main dessus. Donc voilà, donc bah, je vous propose cette ouverture. Alors oui aussi, donc j'ai modifié comment dire, la qualité de mes vidéos, parce qu'elles étaient un peu trop lourdes, quoi. Je mettais beaucoup de temps à charger, donc du coup je fais un test avec cette vidéo en diminuant légèrement la qualité. Bon, je pense pas que ça se verra beaucoup. Bon, je verrai en tout cas ce que ça donnera. Donc c'est un petit test que je fais là, en espérant que ça mette moins de temps à se charger sur YouTube. Donc bon voilà, je verrai ça. Alors bon aussi, je vous avais promis depuis déjà deux vidéos de faire justement des vidéos un peu différentes. Et finalement, bah encore une fois, je vais vous proposer la même chose, mais promis, la prochaine fois, je fais cette vidéo un peu différente. Bon, il n'y aura pas, comme je l'avais dit, il n'y aura pas de gros bouleversements. Mais voilà, quoi, ça va être pour la prochaine fois. Et puis aussi, donc avant de passer à l'ouverture, j'aimerais remercier Clara Pokémon et puis Pika Omega, car bah, qui m'ont offert quelques petits cadeaux, entre guillemets. Donc voilà, grand merci à eux. Et voilà, ça m'a fait vraiment très très plaisir d'avoir pu mettre la main sur ce qu'ils m'ont donné. Voilà, donc en l'occurrence, un code Diancie et un code Mega Ectoplasma Shiny, ainsi que plusieurs cartes. Donc vraiment, un grand merci à eux. Donc on va passer à l'ouverture de cette box. Hop. Récupérer la carte promo Thor Tank X qui est correct, hein. Moi je la trouve pas mal, hein, cette carte. Bon, je zoomerai dessus tout à l'heure, parce que le problème c'est que je filme avec un pupitre, et quand j'allume les lampes pour avoir une meilleure visibilité, c'est qu'il y a ça fait un petit trait encore ici sur la carte. Donc bon, je la présenterai tout à l'heure lors du récap, mais sinon elle est plutôt bien réussie. Alors ici, donc bah, c'est toujours la même chose, hein. C'est toujours le booster XY étincelle avec les trois points furieux. Alors bon bah, comme je fais habituellement, je vais laisser la carte XY étincelle pour la fin. Hop. Oui. Voilà pour vous, ainsi que celle-ci que j'avais oublié de vous donner. J'avais fait lors de ma précédente vidéo, donc autant le faire là aussi. Hein. Hop. Voilà. Ensuite, le dernier point furieux. J'espère avoir autant de chance que lors de mes deux précédentes box, parce que j'ai quand même eu bah, deux ultras sur mes deux box. Donc c'est plutôt chouette, hein, une ultra par box. Puis c'est pareil lors de quand j'avais acheté mes box goût plein Amphinobi et puis Blind Epic, bah c'est pareil, j'avais une ultra dans chaque box. Donc j'espère que ça va continuer, que j'aurai toujours autant de chance. Voilà. Alors bon, bah, je vais passer au mélange habituel. Voilà, et puis bon, moi je vais aller commencer cette ouverture.
Avec la première qui sera donc un excargome pour la rhume. Alors je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que c'est vrai que je trouve que mes vidéos sont un peu longues. Donc j'essaie d'aller un peu plus vite cette fois-ci. Faucille nageoire, donc la première peu commune il me semble. Ouais, c'est bien ça. Hop, racaillou. Gringolem. Barpeau. Collecte d'outils. Grelasson. Jusqu'à présent, on a que des communes ou des peu communes. Toujours pas de reverse, toujours pas de rare. Journaliste des combats. Ce serait sympa d'avoir en full art aussi celle-là, mais bon. Est-ce qu'elle sera là? Je ne sais pas. Craquenois. Ceinture force. Ah bah, ah chouette, punaise. Nolo Reverse. Ah, elle est vraiment pas mal. C'est plaisir. Ouais. Maconnueur. Parce que je ne l'ai pas encore, même en Nolo. Là, l'avoir en Reverse, c'est plutôt pas mal. Ouais. Bon, déjà, ça commence bien. Ça commence bien. Hop. Négapi. Brésilion en Reverse, donc la deuxième Reverse. Dans la série Étincelle, qui est chouette. Hein, bah, je l'avais dit, de toute façon, j'aimais bien les effets 3D comme ça. Je trouve que c'est chouette. Donc, je suis satisfait d'avoir tiré cette reverse-là. Mélofée. Hop, Poussifeu. Chenipan. Ah bah, ah, punaise, bah voilà. J'avais dit que j'avais pas encore Lolo. Lolo, la holo. C'est mieux. Et puis bah du coup ça fait que Maconnieur en holo et Maconnieur en reverse. Ah c'est chouette. Ouais, je vais m'attarder dessus un peu plus tard pour le récap. Mais en tout cas ouais c'est une box qui commence bien. Ouais. Enfin qui se poursuit bien. Fulgoris en rare. Donc la deuxième rare de l'ouverture. Elle est chouette aussi. Ouais, j'aime bien aussi Fulguris. Alors, c'est qu'il reste encore deux rares, plus deux reverse. Chrysacier. Balignon. Cendre sacrée. Ouais, j'ai eu. Petite erreur technique. Donc voilà, donc Poussifeu en reverse. Qui est sympa aussi. Ensuite. Et les câbles. Ouais, donc ça c'est une rare aussi. Hein, ouais. Elle est pas mal. Je l'avais pas non plus. J'ai eu l'occasion de la voir dans d'autres vidéos. Puis ouais, elle est vraiment chouette avec Mona Flemmi ici. Et Méganon derrière. Vraiment chouette, ouais. Je vais faire un petit zoom après pour le récap. Mais c'est pas mal. Donc ce qui fait que bah, finalement il reste plus de rares là-dedans. Il reste trois rivers. Une reverse, pardon, parce qu'on en a déjà tiré trois. Et donc après il reste la rare qui est ici. Alors, donc je vais aller un peu plus vite. Tyranidur. Pikachu. Balignon. Galifeu, Pandespiègle, Poussifeu, à nouveau, Roucoule, je ne connaissais pas celle-là, elle est belle, plutôt bien réussi. Ensuite, échange d'énergie, Mélofée, hop, Écrémeux. Mesmerella, Trousselin, Pandespiègle, et puis Dragmara en reverse. Ouais, c'est une bonne box déjà. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il y aura là-bas. Mais c'est déjà pas mal. Ouais. Et donc, pour terminer, bon, Dimoré en rare. Bon, il n'y aura pas d'ultra cette fois-ci.
Bon, tant pis, mais bon, c'est pas grave, il y aura des belles cartes. Moi, je retrouve tout de suite. On aurait eu un tirage plutôt correct, hein. Bon, il n'y a pas eu d'ultra, mais c'est une box qui m'a plutôt satisfait. Alors, on va commencer donc avec cette carte promo Tortank que j'ai galéré à trouver, mais que j'ai eu. Donc, je vais faire un plan rapide. Voilà. Alors, elle est dans la même lignée que la carte ex de base que j'ai également. Voilà, donc elle se rapproche quoi toujours avec je sais pas, ça fait une tête un peu presque plastique, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait une tête un peu plastique, mais bon voilà, c'est une belle carte, donc c'est ce qui a ouvert le bal, donc c'est cette carte qui a ouvert le bal. Ensuite, niveau, donc moi je vais remettre la caméra sur son socle, voilà qui est fait. Et donc niveau des reverse, il y a donc eu la carte Brésilion, Poussifeu, et puis Dragmara et Maconure en reverse, rare reverse. Donc voilà, c'était, bon, c'est plutôt deux reverse, ça me fait plaisir d'avoir. Et ensuite, concernant les rares, donc il y a eu Dimoré, Fulguris, et les câbles. Alors, je vais rapprocher aussi. Voilà. J'aime bien les cartes qui mélangent plusieurs Pokémon. Comme ça, avec, comme je disais, Monaf Limite, Méganon, et puis et les câbles en Pokémon principal. C'est plutôt sympa. Et donc ensuite, bon, bah, je vais rester sur ce plan-là. Donc Maconure en holo reverse. Bah, j'attendais d'avoir parce que je l'aimais bien. Et puis bah pour bien faire, j'ai eu carrément les deux formats. Avec la carte holo et puis la carte reverse. Voilà. Carte reverse qui fait plus foncé sur le côté extérieur, mais voilà, donc c'est chouette. Donc bah maintenant c'est l'heure de nous quitter, nous dire à bientôt. J'espère que ça que cette vidéo vous aura plu, et puis bah moi la prochaine fois, donc je vous retrouverai dans une vidéo un peu différente, un petit peu différente. Voilà, je vais vous laisser découvrir ça la prochaine fois. Donc je vous dis bah bientôt, salut. Puis merci d'avoir regardé cette vidéo, bien sûr.